je vais vous parler de quelque chose et que sur la vie de ma mère, si je chope cette personne, hein, je te ferai la vie de ma mère, je te ferai rien. Mais je vais te faire bouffer ce que t'as fait devant ma porte. Oh frérot, c'est pas un abonné là, il a chié devant ma porte. Avec il m'a laissé un mot, fils de pute, hein. Il m'a laissé pour les deux jours où t'as pas stream. Oh les gars, la vie de ma mère, écoutez, la vie de ma mère, moi je rigole pas. On peut rigoler ensemble, on peut stream hack ensemble, mais que la tête de ma mère de chier, faire caca devant ma porte, n'est chétan. Oh là, j'aime pas les bails comme ça, wesh. Oh frérot, je vais dans le salon, je sens qu'il y a une odeur. Oh là, tu vois, je me sens, j'ai dit putain, je me sens moi-même. Je dis attends, mais l'odeur, wesh, elle est grave là, c'est un caca ça. L'odeur d'un caca peut pas te tromper. Oh frérot, j'ouvre la porte. Le mec en plus, il sait même pas chier. T'as l'impression que t'es constipé, sale fils de pute. D'accord? Wow. Je vous pose la question, les abonnés. Demain, je stream pas pendant deux jours. Vous allez venir devant ma porte chier? Me dites pas oui. Tu chies pas chez les gens, frère. T'as des toilettes. Ah, comment ça sentait mauvais. Oh là là. Ah, il y a des... Non, regarde, les gars, il y a des trucs. Il y a des trucs qu'on peut gaulerie ensemble. Il y a des trucs, vraiment, on peut gaulerie, on peut... Vas-y, il y a pas de souci, des pranks, tout ça, vas-y, on se vanne. Même sur le physique, vas-y, il y a pas de problème, je prends. Frérot, tu chies devant ma porte, n'al chétan. T'imagines, je sais pas, ma daronne, elle passe, la femme de ménage, des gens, mes proches, ils voient un caca. Ouais, t'imagines, mon voisin ou ma voisine. Ils voient un caca devant ma porte, ils vont se dire quoi? Ils vont dire, lui, il a fait la fête hier, il était bourré. Putain, en plus, je rigole. Il a chié devant sa porte? Non, un deck. C'est la première fois de toute ma vie. En ça, hein, c'est la première fois de toute ma vie qu'on yèche devant ma porte. Ah, pourtant, des fois, on me laisse des colis, on me laisse des cadeaux, on me laisse des fois des lettres, des courriers, des petites pièces. Oh là, on m'a lâché un caca, frérot. On m'a lâché une merde. Waouh. Ça veut dire que le mec, il dormait, il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais yèche devant la porte à Jawed. ATK. J'ai jamais vu ça de ma vie, frérot. Non, voilà, c'est hard. Depuis 2011, depuis ma création de chaîne YouTube, c'est la première fois qu'on yèche devant ma porte, en fait. Première fois qu'on chie devant ma porte. En fait, la vie de ma mère, j'essaie de réaliser. J'ai dit, mais putain, le mec, il s'est réveillé un matin. Il s'est dit, tiens, ce matin, je vais yèche devant la porte de Jawed. Frérot, c'est quand même quelque chose. Qui pourrait me faire ça? Déjà, c'est pas des proches, c'est pas les amis. C'est un abonné, mais qui? Ah mais je te jure, si je le chope, je sais pas comment je vais le choper. Parce que là, imagine... Oh, putain. Oh frérot, je sais pas si t'es sur mon live. Écoute-moi bien, je sais pas si t'es sur mon live. Mais si t'es sur mon live, va bien niquer ta mère. Mais en ça, mais bien profond. Hein. Ah, je suis aigri aujourd'hui. Hein. On m'a jamais fait ça de ma vie. Un mec bourré, un mec torché, il aurait pas cette idée d'aller faire caca chez les gens. Wow. Ah, y'a une ces prises de confiance, Nal Chétan, chez moi. Oh, la malchance que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me ramasser un caca devant ma porte? Waouh. Un mec bourré, un SDF, il fait pas ça.